Bonjour, bonjour à vous, c'est Richard. Heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors cette séance est pour nous aider à faire grandir ce que nous avons réellement besoin pour maintenir ou pour accroître notre bien-être. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien on va découvrir cela ensemble. On commencera par quelques mouvements doux, debout dans un premier temps, et puis ensuite, eh bien nous nous installerons sur un support plus confortable. Alors vous avez choisi votre lieu, votre espace. Alors c'est parti, on y va. Je prends conscience du lieu où je suis, là, ici et maintenant. Je prends conscience des couleurs, des éléments, des sons, de l'atmosphère. Je peux fermer mes yeux pour mieux percevoir mon humeur intérieure. Déposer ma concentration sur mon corps. Sentir mes pieds au niveau du sol, la position du dos, la présence du ventre, de l'espace thoracique, la position des épaules, et puis sur les épaules, le cou sur lequel repose ma tête. Effectuer 3 grandes respirations. Et puis pour m'intéresser davantage à mon corps, je peux tout simplement effectuer des rotations. Des rotations sur l'axe de ma colonne vertébrale. Voilà, je vais essayer de laisser mes bras suivre le mouvement des épaules, le mouvement du buste. Peut-être réaliser que mes bras sont un petit peu tendus, l'occasion pour moi d'essayer de les relâcher davantage. Relâcher les poignets, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts, avec une respiration présente, le va-et-vient respiratoire. Et puis sous mes paupières, si mes yeux sont fermés, constater la luminosité qui diffère, qui change, qui peut évoluer. Relâcher les épaules, la zone des omoplates. Je peux changer de rythme aussi, toujours avec cette idée de relaxer. Relaxer la partie haute de mon corps, mon buste, jusqu'au cuir chevelu, comme si je faisais ce mouvement pour la première fois, je découvre, je prends plaisir à effectuer ces gestes, inspiration, tranquillement j'inspire avec le nez, je gonfle mon ventre, toujours en mobilisant mon buste, rotation. Je bloque ma respiration et là j'immobilise mon corps. En suspension d'air, j'immobilise mon corps. Expiration, je souffle. Respiration naturelle. Me focaliser sur les perceptions internes. Et je vais pouvoir effectuer une deuxième fois ce même mouvement, mais en suspension d'air, si c'est possible, si j'en ai envie, mais il n'y a aucune obligation, évidemment. Je commence par souffler, expiration. J'inspire.
Je retiens mon souffle et j'effectue les mouvements de rotation, rotation respiratoire, en effectuant les mouvements, toujours en essayant de relâcher les épaules, relâcher les trapèzes, des zones qui sont souvent en tension, les avant-bras, les mains, les doigts. Je peux respirer si j'en ressens le besoin, évidemment. Voilà, sentir la mobilité corporelle, sentir le buste d'un côté, de l'autre. Apprécier, constater. Et puis, à un moment donné, interrompre le mouvement. Accueillir les phénomènes qui sont présents, ceux qui sont présents maintenant. Et j'essaye de ne pas interpréter quoi que ce soit, de ne pas juger. Des pensées, une image, une envie. Une sensation du corps. Deux profondes respirations, là, ici, maintenant. Et à l'issue de la deuxième, je peux peut-être donner une intention particulière à cette séance. C'est-à-dire une capacité que j'ai envie de développer par rapport au contexte du moment. Peut-être que j'ai envie de développer mon énergie, peut-être que j'ai envie de développer la détente corporelle, musculaire. Peut-être une envie de renforcer ma motivation pour quelque chose, mon entrain. Peut-être envie de déployer une forme de sérénité, de calme mental. Peut-être de prendre de la distance par rapport à une situation. Voilà, je prends le temps. Développer la confiance en moi ou autre chose. Et je peux me représenter cette capacité avec un mot ou un groupe de mots. Et avec ma main gauche, je vais écrire cette capacité. Je lève mon bras et j'écris. Prendre le temps, j'ai tout l'espace pour moi tout seul. Voilà, je peux l'écrire une fois ou peut-être deux fois. Imaginez les différentes lettres en train de s'écrire, de se fabriquer, de se constituer. Et avec l'autre main, la main droite, je vais entourer ce mot. Cette intention de séance, cette capacité dans un sens et puis l'autre sens. Voilà, puis avec cette même main, je vais réécrire ce mot, comme s'il s'agissait d'une autre couleur. Imaginez une couleur peut-être rouge, plus foncée, fluorescente, multicolore peut-être. Et avec l'autre bras, je vais entourer de nouveau dans un sens, comme pour insister sur cette intention de séance, l'autre sens. Voilà, et puis je déposer mes bras en face de mon visage, les mains positionnées en forme d'éventail, le bout des doigts face à mon visage. Me préparer à faire l'exercice de l'éventail,
Et puis avant d'effectuer ce geste, peut-être réactiver mon intention de séance, le mot que j'ai écrit. Je le réactive, il est là, il est présent. Expiration, je souffle. J'inspire avec le nez, je gonfle mon ventre. Je bloque ma respiration et en bloquant ma respiration, j'active le mouvement. Comme si le positif de ce mot se déposait sur chacun des espaces de mon premier système, ma tête, mon visage. Je peux respirer naturellement, ressentir cette ventilation manuelle. Voilà, je peux orienter mes mains au niveau des oreilles, au niveau du menton, le front, et sentir la présence de cet air et puis de cette intention de séance en train de s'agripper. Inspiration. Et sur le souffle, je stoppe. Tout simplement, je stoppe. Immobilisation du corps, accueil des phénomènes au niveau de la tête jusqu'aux pieds. Sentir l'air encore sur une joue, sur les deux joues, peut-être sur le front ou peut-être pas. Et quand je le souhaite, seulement quand je le souhaite, je peux réouvrir un tout petit peu mes yeux et m'installer consciemment sur le support que j'ai choisi pour moi. Je prends plaisir à cette installation. Je prends plaisir à respirer en conscience. Et je vais à présent, me représenter mon premier système, ma tête, mon visage, là où il est, sans bouger, le front, la nuque, le cuir chevelu, les joues, les yeux, zone que je peux à présent mettre en mouvement, peut-être un mouvement rapide, ou pas, mobiliser tous les muscles de mon visage, écarquiller les yeux, la bouche, mobiliser mon cuir chevelu. Je peux poursuivre ce même mouvement, mais au ralenti. Je sens la différence. Conscience du mouvement lent, effectuer une grande inspiration par le nez en gonflant mon ventre, j'inspire, je gonfle mon ventre, je bloque ma respiration, tension douce de mon visage, le front, le nez, les ailes du nez, les joues, les tempes, le cuir chevelu, le menton, les mâchoires, les yeux, tous les muscles des yeux. Et sur une grande expiration, détente, tranquillité de tous les espaces de mon visage.
détente, tranquillité de tous les muscles de ma tête, mon visage, immobilisation. J'apprécie. Je peux me représenter mon deuxième système, le cou, les épaules, les bras, mes mains, mes doigts, là où ils sont, leur forme, leur poids. Zone que je peux mettre en mouvement. Peut-être un mouvement rapide, mais c'est sans obligation. Mouvement des mains, des poignets, des avant-bras, contraction des muscles. Je peux poursuivre ce mouvement et à présent au ralenti. Percevoir ma capacité de ralentir mes mouvements, ralentir encore, sans m'arrêter, mais encore ralentir. Inspiration par le nez, en gonflant mon ventre, j'inspire, je bloque mon souffle, ma respiration, tension douce de mes deux bras, mes avant-bras, mes mains, jusqu'au bout des doigts. Et sur le souffle, sur une grande expiration, relâcher, abandonner le poids de mes bras, soit dans le vide, soit sur le support. Détente, tranquillité, immobilisation, j'apprécie. Constate ma capacité à relaxer une zone particulière de mon corps. Me représenter mon troisième système, la zone pulmonaire, le haut du dos, que je peux mobiliser, la poitrine, les omoplates, la clavicule, me représenter mon quatrième système, mon ventre, la zone lombaire, le bas du dos, que je peux mobiliser, bouger ma colonne vertébrale, sur les côtés, devant, derrière, poursuivre ces mouvements, peut-être élargir ces mouvements, amplitude plus grande peut-être, plus dynamique peut-être aussi, mais c'est sans obligation. Et poursuivre ce mouvement à présent au ralenti. Au ralenti. Constater les différences de sensations avec le ralenti. Effectuer une grande inspiration nasale, je gonfle mon ventre, j'inspire, je bloque mon souffle, tension douce du dos, le ventre, la poitrine, la zone abdominale, tension douce, ça peut déborder sur d'autres espaces, peu importe, et sur une pleine expiration, je souffle, détente de tous ces espaces, reprise du souffle, tranquillité corporelle, musculaire, immobilisation du dos, la poitrine, le ventre. J'apprécie. Je peux me
représenter mon cinquième système, du bassin jusqu'aux pieds, ma jambe gauche, ma jambe droite, que je peux mettre en mouvement, que je peux secouer mes jambes de manière dynamique. Je peux secouer mes jambes, phénomène de nettoyage, d'épuration corporelle, phénomène que je peux peut-être élargir à tout l'ensemble de mon corps, les mains, les bras, les muscles du visage, les épaules. Voilà, je peux secouer comme pour nettoyer, épurer, mobiliser davantage, et puis que je peux mobiliser aussi au ralenti, mobiliser uniquement mes jambes à présent, jambes au ralenti. Je vis en conscience les phénomènes dus à ce mouvement très lent. Inspiration, j'inspire par le nez en gonflant mon ventre. Je bloque mon souffle, tension douce de mes jambes, tension douce de tout mon corps. Et puis maintenant, que les jambes, que les cuisses jusqu'aux pieds. Et sur une profonde expiration, détente. Détente musculaire. Tranquillité. Immobilisation corporelle. Je suis juste là, comme en apesanteur, avec un corps peut-être extrêmement lourd, avec un corps peut-être extrêmement léger. Apprécier les phénomènes agréables. La forme de mon corps en train de se relâcher. Je peux élargir la conscience de la forme de mon corps dans son intégralité. Imaginez ses contours et cette forme de tranquillité intentionnelle. Je peux aussi déposer ma concentration sur mes respirations et particulièrement sur ces moments où j'expire, toujours avec l'intention de faire de la place. Et plus j'expire, plus je fais de la place. Et plus je souffle, plus j'élimine le dioxyde de carbone, des pensées, des ruminations. Je vis en conscience chacune des expirations, une par une, les décortiquer, permettre à mon corps de s'alléger, peut-être sur la phase finale de chacune des expirations, légère tension au niveau de l'abdomen pour faciliter une expiration complète, sans forcer, libérer ce qui peut parasiter tout projet. J'expulse par la bouche ce qui pouvait encombrer. J'expulse par la bouche ce qui pouvait freiner. Je souffle. Évacuer les obstacles,
constater, m'intéresser aux inspirations, comme si je me préparais à installer du positif à chacune des inspirations. Je sens l'air entrer par les narines, si c'est possible, s'engouffrer à l'intérieur du corps, souffler avec la bouche et poursuivre ces inspirations par le nez, comme pour épouser davantage la vitalité qui entre en moi. Sur chacune des inspirations, dynamiser chacun des systèmes, chacune des cellules de mon corps profite de cet oxygène qui entre à l'intérieur. Je peux aussi évoquer mon intention de séance et à chacune des inspirations, la respirer. Grâce à mes inspirations, intégration du positif à l'intérieur. À chacune des inspirations, installation de la vitalité. À chacune des inspirations, déploiement de l'énergie dans tout mon intérieur, de la tête jusqu'aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Conscience de mon corps, aussi bien dans sa détente que dans sa forme de vitalité qui me traverse. Détente, vitalité. Et c'est avec ces sentiments de vitalité que je poursuis mes respirations. Sentir au fur et à mesure ma tête, mon visage bénéficier du positif que j'intègre au fur et à mesure des inspirations. Déposer mon attention sur mes épaules, mes bras, mes mains, intégration du positif dans chacun des espaces, chacun des muscles, chacune des articulations, chacun des ligaments, chacun des liquides, des os, des nerfs. Tout profite. Et au fur et à mesure des respirations, ce positif grandit dans tous mes espaces corporels, y compris l'espace thoracique. Sentir mon souffle, le dos, le bas du dos, le ventre. Percevoir tout mon corps chargé de positif.
et profiter de ce sentiment d'apaisement, d'énergie que je peux réactiver mon intention de séance, la visualiser. Et sur l'inspiration, je vais prononcer le mot de mon intention. J'inspire cette intention. J'expire. Je peux prononcer mentalement le mot bonheur. J'inspire mon intention de séance. J'expire bonheur. Et je poursuis à chacune des inspirations, prononcer mentalement ce mot. À chacune des expirations, permettre au bonheur de s'intégrer. Et je poursuis. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Je prononce mentalement ces mots quand j'inspire et quand j'expire. Poursuivre m'intéresser uniquement à la résonance de ces mots quand j'inspire, quand j'expire, comme si je les respirais à l'inspiration, que je l'intégrais à l'expiration. Mon corps en train de se remplir positivement. Je poursuis mes respirations, je laisse faire, j'ai absolument rien d'autre à faire. Je poursuis mes respirations, je laisse faire. J'ai absolument rien d'autre à faire. Mon corps est en train de se remplir positivement.
me reconnecter à mon souffle. Me reconnecter à mon corps, ici et maintenant. Me charger de cette intention de séance que j'ai choisie pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé. Je peux profiter de cette pleine présence pour l'évoquer de nouveau, inspiration profonde, j'évoque ce positif. Expiration. Une deuxième fois, je l'évoque pour le laisser grandir davantage. Inspiration profonde. Et puis, avec l'idée de dynamiser mon corps, je peux effectuer une dernière grande inspiration, profiter pour peut-être m'étirer. Je peux bâiller en même temps, éventuellement, dynamiser chacune des extrémités de mon corps, mes mains, mes doigts, évoquer ce mot, cette capacité, effectuer des respirations, des mouvements, et à ma manière, à un moment donné, et je peux prendre le temps de me remercier en prononçant mentalement mon prénom. Et puis ensuite, je pourrais ouvrir mes yeux et poursuivre. Merci.